Est-ce que ça marche? Est-ce que vous m'entendez? Pas beaucoup, hein? Faut parler un petit peu plus fort? Ça va mieux comme ça? Vous me faites signe à tout moment si vous n'entendez pas bien. Parce que nous, on n'a pas de retour et on ne s'entend pas bien du tout. Encore plus fort. Bon. Et là, vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez comme ça? On n'a pas le technicien. Je vais essayer d'aller appuyer sur les boutons, mais je ne suis pas sûre que ça marche très bien. Si, ça marche très bien. Alors, volume. Vous nous entendez là? Bon, j'ose pas trop toucher. Ça va mieux là? Là, ça va mieux? Si vous nous entendez pas, on peut aussi descendre. Hein. Ça va pas? Vous entendez pas? Il faut parler plus fort. Est-ce que là, ça va mieux? Est-ce que là, ça va mieux? C'est. Il va falloir vous rapprocher. Est-ce peut-être que vous un nous peu entendez plus, mieux là? Là, c'est mieux. Alors, celui d'Elisabeth maintenant. Est-ce que ça va là? Là, c'est mieux. Là. Oui? Oui? Ça va mieux comme bien ça? Devant. Est-ce bon. Que tout le monde nous entend là? Là, ça va aller oui. À peu près. Bon, tout d'abord, bienvenue pour cette 5e édition de Planète Bière dans un lieu plus vaste, comme vous le voyez, pour encore mieux vous accueillir. Avec un beau programme de conférences. Donc cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, on a deux salles. N'hésitez pas aussi à aller voir le programme de l'autre côté, voilà, de faire un peu votre marché. Alors là, c'est l'heure du déjeuner. Et donc tout naturellement, on va parler des accords bière aimée, qui est votre spécialité, Elisabeth. Je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes biérologue, vous intéressez à la bière depuis très longtemps, formatrice professionnelle, jury international dans les concours. Vous créez des formations sur mesure dans votre structure Birissima. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Vous faites tellement de choses. Vous êtes auteur. On présentera peut-être à la fin de la conférence vos livres qui sont là, qu'on peut retrouver aussi sur le stand de la librairie ici sur place à Planète Bière. Que dire encore? Vous avez aussi initié l'année dernière une formation, la formation Domains, un programme qui jusqu'ici n'existait pas en français. Donc maintenant, il est disponible ici en français pour ceux qui souhaiteraient se former à la sommellerie. Voilà, c'est une formation diplômante, hein, c'est bien ça? Oui, et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour présenter ici. Il y a une sommelière Bière Domains présente ici, qui est brasseuse et sommelière bière, voilà, qui a fait partie voilà, de la première promo. La première promo. Voilà. Et puis, depuis l'année dernière, vous êtes à la tête de ce magazine Bière Aimée. Hein, votre nouveau bébé, on peut peut-être en dire quelques mots? Oui. Voilà, parce que c'est assez oui. Inédit pour nous ici en France. Vous en parlez, Marie-Laure? Oh, je vous laisse le faire. Donc ça, c'est un bébé récent. C'est un magazine qui a été lancé l'an dernier. Et j'interviens donc sur toute la partie rédactionnelle avec une volonté de mettre en avant les associations Bière Aimée et bien sûr aussi les producteurs qui sont derrière les bières, derrière tous les autres produits qui vont bien avec les mets, on va en parler aujourd'hui là de quelques-uns, et puis aussi bien sûr les artisans de bouche et les restaurateurs, les pâtissiers. Sur le numéro 2, c'est un pâtissier de Lille qui est en couverture, et on a vraiment la volonté, le troisième numéro va sortir dans à peu près un mois,
Et on a la volonté, à travers ce magazine, de vraiment créer une place en France dédiée, papier et web, à ces associations de la bière à table. Oui, donc vraiment dédié donc à ces accords. C'est assez inédit puisqu'on connaît les accords avec le vin. Enfin, on pourrait citer cette revue très ancienne, Cuisine et vin. Et en France, on n'avait pas ce type de magazine. Oui, c'est une magazine. Grande première. C'est une grande, grande première. C'est quelque chose qui existe dans d'autres pays comme l'Italie, le Canada, les États-Unis évidemment, l'Angleterre. Mais en France, il n'y avait absolument rien sur ce sujet. Dédié à ça, hein, bien sûr. Il y a d'autres magazines sur la bière, mais dédié exclusivement à cette thématique bière et mais il n'y avait absolument rien. Est-ce que c'est parce qu'en France, on est un petit peu en retard sur les accords bière et mais? Oh, je ne suis pas certaine qu'on soit en retard vraiment. On a le sentiment d'être en retard finalement, nous, quand on regarde ce qui se passe chez les voisins. Oui, bien sûr, mais il y a tellement de... Vous entendez? Comme ça, c'est mieux? Ah, ok. Il y a tellement, parce qu'on m'avait dit un jour qu'il fallait le faire là. Ok. Il y a tellement, tellement de richesses dans ce domaine et de potentiel de transmission et d'expérimentation qu'en fait, je n'ai pas personnellement le sentiment qu'on est en retard. Là où j'ai le sentiment qu'on l'est, c'est par rapport aux restaurateurs, on en parlera demain du coup, mm-hmm. Les restaurateurs qui sont vraiment beaucoup plus lents que les autres, que ceux des autres pays, c'est ce que j'observe, sur la doser ou pas proposer des bières à table, voilà. Donc ça, c'est une constatation personnelle, mais qui est partagée, je pense, par pas mal d'acteurs. Mais ça aussi, c'est en train de changer. Qu'est-ce qui vous a fait, vous intéresser aux accords bière et mets, ou d'aborder la bière par la table? Alors, l'histoire, elle remonte très simplement à des rencontres avec des chefs. Ce sont des chefs de cuisine qui m'ont donné la passion de la cuisine et la passion de la cuisine avec la bière et la passion des associations bière et mets. Voilà. Donc ça remonte à un travail que j'ai fait il y a plusieurs années déjà, à mes débuts dans la filière brassicole, sur des recettes de bière travaillées par des chefs utilisant différents types de bière. Des recettes de cuisine travaillées par des chefs utilisant différents types de bière. Et en fait, moi, j'intervenais à leur côté pour les mettre en avant, bien sûr, les mettre en valeur leur travail. Et donc, j'ai vraiment participé dans les cuisines à ces élaborations de recettes. Et ça m'a marqué. Et ça m'a vraiment marqué à jamais, parce que je suis incapable de manger avec autre chose que des bières. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler d'un produit voilà, qui n'est peut-être pas très attendu dans le cadre de ces accords. Ce sont les légumes, donc c'est d'abord un sujet de saison. Oui, alors les légumes, c'est un peu un défi de parler de bière et de légumes. C'est un défi parce que c'est beaucoup moins courant, on va dire, si on peut employer déjà ce terme-là pour les accords bière et mets, qu'avec les fromages, qu'avec les poissons, les fruits de mer ou bien sûr les desserts. Donc, focuser sur les légumes, pour moi, c'est une passion aussi, les légumes, et de ce fait, avec toutes les offres de restauration qui sont thématisées maintenant sur les légumes, il y a vraiment une richesse à faire connaître. Et c'est le but de cette conférence, de vous donner quelques pistes, d'expérimenter aussi des accords, mais aussi d'échanger avec vous, bien sûr, hein, au-delà de ce qu'on va se dire entre nous. Et aussi le fait que les légumes, c'est effectivement une affaire de saison. Donc on est vraiment sur une thématique qui va se renouveler au fil des saisons. Et là, si on parle que du printemps, ben on a l'explosion des petits légumes de printemps, on a l'explosion de tout ce qu'on va évoquer tout à l'heure, qui est d'une richesse incroyable. Donc on va peut-être laisser de côté les légumes d'automne et d'hiver, même si on peut les évoquer aussi. Hein. Mais c'est vrai que quand on parle légumes, moi j'ai tout de suite des idées de recettes qui me viennent, des façons de les cuisiner. Alors je suis embêtée parce que j'ai un professeur de cuisine quand même devant moi, quasiment, enfin bon, voilà, de restauration. Donc, faut que je fasse attention. Mais la diversité des modes de cuisson, poêlée, à vapeur, crue, bien sûr, donc pas de cuisson, braisée, rôtie, etc., va ajouter encore plus d'intérêt à la chose.
On peut peut-être rappeler aussi que, sans parler de cuisine végétarienne, le légume prend aussi de plus en plus de place dans l'assiette. Et donc peut-être que c'est lui aussi qui guide l'accord par rapport à la viande ou au poisson. Oui, alors c'est vrai qu'habituellement, quand on travaille sur des associations bière et mets, je suis plutôt sur des associations donc viande, poisson ou charcuterie, ou etc. Et c'est effectivement ces produits-là qui vont dominer. Alors et c'est un peu une hérésie, parce que les légumes qui vont associer ces produits sont en tant que tels associés, cuisinés et préparés de façon à quelquefois être dominants. Mais là, on va plutôt évoquer les légumes en tant que tels, les plats de légumes, uniquement de légumes. Donc avec une approche plutôt, effectivement, on a dans le titre de la conférence, c'est plutôt végétarien et bio et bon. Mais on ne va pas être exclusivement sur ce qui est végétarien, bien sûr, hein, mais on est dans cette démarche-là de ne pas forcément évoquer du coup les produits qui accompagnent les légumes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes règles d'accord qui sont donc évidemment aussi valables pour les légumes ? Oui, bien sûr. Alors, je vais... Ce que j'ai envie de dire en tout premier, c'est le fait que quand on est amené à accorder des produits avec des bières, donc des légumes en l'occurrence, on va avoir quand même besoin de connaître les bières. Ça paraît peut-être une lapalissade, mais comme ce sont en l'occurrence les bières qui vont nous guider, hein, on va en parler après comment dans la démarche, ça va être important de connaître les principaux profils gustatifs des bières. Et vu la richesse de celle-ci, de ceci, vu la richesse des créations de brasseurs, c'est un petit peu complexe comme sujet. Donc c'est pour ça que je vais juste vous rappeler peut-être en quatre profils, ou quatre, cinq profils très généraux, tels que moi je les travaille, hein, sans rentrer dans les styles et sans rentrer dans les détails. La première grande famille aromatique de bière, c'est les bières à dominante de malt. Donc tout ce qui va être à dominante de céréales, qu'elles soient pâles, grillées ou torréfiées. Donc dans les associations, je parlerai toujours de bières avec des maltes pâles, grillées ou torréfiées. La deuxième grande famille, c'est les bières houblonnées. Donc les bières houblonnées, elles vont avoir différentes amertumes ou différentes aromatiques. On n'a pas forcément de l'amertume sur des bières houblonnées. On peut avoir énormément d'amertume. Et quand on parle d'amertume, on a plusieurs amertumes. Des amertumes vertes, des amertumes de bien sûr de torréfaction et des amertumes également apportées par les levures. La troisième grande famille, c'est les bières qui vont avoir un profil apporté par les levures, les bactéries. Donc moi, j'appelle ça un petit peu la grande famille des bières acides, qu'on dit sour aussi aujourd'hui, et les bières acidulées, aigre-douces. Donc c'est des recettes de bières qui vont avoir une dominante sur l'acidité, plus ou moins lactique, plus ou moins acétique et plus ou moins citrique. Donc vous voyez que je parle en goût, je ne parle pas en style. Parce que si on parle uniquement en style, on n'est pas forcément au niveau de connaissance tous de connaître tous les styles. Et puis la quatrième grande famille que j'évoque aussi, c'est une famille de bières boisées. Donc boisées avec l'élevage en barrique. Donc là, on va avoir des bières qui vont avoir subi une transformation de fait de l'élevage en barrique, dépendamment de qu'est-ce qui aura contenu la barrique. Donc c'était juste un petit peu pour rappeler... comment je travaille, du coup, en fait, avec ces quatre grandes familles de dominantes de goût de bière. Et ta question, c'était quoi ? Le principe des accords, c'est ça. Et le principe des accords, donc, l'idée, je vous propose de partir de la bière. On est à Planète Bière, on est tous des amoureux des bières, on est des amoureux donc, de différents produits, dont les légumes, et l'idée, c'est que ce soit les bières qui nous guident. Hein, qui soient qui donnent le ton en fait de l'accord. Hein. On ne va pas partir des légumes, mais on va bien sûr, à partir de là, tenir compte des différences de goût et de préparation des légumes. Donc si j'ai bien retenu, la première famille, ce sont les bières maltées, celle où le malt finalement donne la ligne directrice. Alors on les associe avec quoi ? Alors selon les grandes familles, on va avoir un éventail infini de possibilités, indépendamment des produits. Donc tout ce qui va être malté ou houblonné ou etc., on va avoir deux solutions, soit de jouer le côté équilibre, de jouer sur le même registre, donc d'aller trouver des produits qui sont sur ce registre-là,
Donc quand on est sur une bière maltée, par exemple, avec des maltes grillées, par exemple, ben, moi, ça m'évoque tout de suite la réaction de Maillard. Donc on va avoir des produits, des légumes, du coup, qui vont avoir subi en tout cas, à défaut d'un rôtissage, qui vont être ou poêlés, ou grillés, ou braisés, pour avoir justement cette coloration. Et on va retrouver sur les bières maltées grillées, par exemple, hein, un très bel accord avec des endives braisées, par exemple. Hein. Même les asperges qui vont pouvoir être aussi poêlées, bien sûr. Je parle même pas de tout ce qui va être haricots, champignons, tous les légumes qui vont avoir cette préparation-là. Donc c'est un exemple sur les bières maltées grillées. La deuxième famille, donc, ce sont les bières houblonnées. Là, on part vers quelle direction ? Alors, sur les bières houblonnées, on va aller chercher, par exemple, l'amertume verte. Hein, et on va, du coup, faire une première dégustation pour vous faire expérimenter cette association. J'ai choisi, pour jouer sur l'amertume, le produit le plus de saison qui soit et qui évoque l'amertume par-dessus tout, c'est l'asperge. Donc l'asperge, déjà dépendamment des variétés d'asperges et dépendamment de la façon dont on va les préparer, on va avoir des sensations et des textures et des goûts totalement différents. Mais là, on reste quand même sur la notion de l'asperge produit amer. Il y a également, donc petit point très important, le petit accompagnement ou la petite sauce ou la façon de cuisiner l'asperge. Donc là, ce n'est pas une vinaigrette. Ce n'est pas donc la dominante avec l'huile d'olive, c'est la dominante avec une mayonnaise. Donc la mayonnaise, ça va apporter du gras. Donc comme on a de l'amertume et du gras, on a déjà, rien que dans la petite coupelle, une association démentiellement bonne. Hein. Pourtant, on n'est pas allé faire de la grande cuisine, là, hein. On est vraiment sur des choses très simples. Et on va utiliser donc une bière avec de l'amertume, mais également des céréales, bien sûr. Hein. Et puis une bière légère, qui ne va pas... parce que si on prend une bière forte, par exemple, on peut très bien prendre une triple houblonnée, mais ça va être beaucoup trop fort, l'asperge c'est délicat. Hein. Donc si vous pouvez goûter, peut-être, attendre de goûter l'asperge pour goûter d'abord la bière, hein. On va goûter la bière ensemble, et ensuite on prendra un petit morceau d'asperge avec. Et on peut bien sûr, sur cette préparation d'asperge, avoir également d'autres accords possibles que la bière que je vous ai proposée. Alors l'asperge c'est un bon exemple parce qu'on dit souvent que c'est un peu le produit impossible à accorder avec le vin. Justement. Absolument. C'est là que la bière donc, peut finalement nous aider. Oui, la caractéristique des bons amis des bières et parmi les légumes, c'est le fait qu'ils sont quasiment tous des casse-têtes pour les sommeliers, des casse-têtes avec le vin. Les plus casse-têtes, on peut dire, c'est les asperges, les endives et également bien sûr tout ce qui va être les crudités, les salades, ça c'est... Les vinaigrettes, tout ce qui est à base de vinaigrette. Tout ce qui est à base de vinaigrette. Hein. Donc pour en revenir à cet accord qu'on va vous proposer, la bière choisie... Je vais aller voir où on en est pour la bière. Je vous laisse continuer. La bière choisie, c'est une ale blonde belge, amère, avec de l'amertume, de la finesse, vous allez voir. Hein. Donc on va d'abord goûter la bière. Et avec ce type d'asperges mayonnaise ou même vinaigrette, hein, bien sûr, ou œuf mimosa, etc., on peut aller aussi sur une pils, bien sûr. Hein. Donc une bière blonde, lager, houblonnée avec de l'amertume verte. OK ? C'est en route, ça arrive. Voilà. Oui, bien sûr. Je suis incapable de parler d'un truc sans goûter. Je vais vous les chercher. Un autre exemple, peut-être, en attendant le service de la bière, pour qu'on en parle. Alors, quand on vous sert la bière, j'ai juste un conseil à vous donner, c'est mettez tout de suite le nez dedans. Hein ? Mettez tout de suite le nez dedans pour profiter des arômes. Parce que les arômes sont volatiles, hein, et vous allez avoir beaucoup moins de perception d'arômes si vous attendez que tout le monde soit servi, par exemple. Hein. Donc je voulais vous donner un autre exemple de façon de s'y prendre. On a donné des exemples. Je vous ai donné un exemple avec des bières grillées.
On a aussi des bières qu'on appelle torréfiées. Et ces bières torréfiées, elles sont souvent avec une saveur qu'on appelle umami. L'umami, on va le trouver dans beaucoup de produits, hein, pas seulement les bières, pas seulement la sauce soja ou les produits japonais, mais on va les trouver aussi dans le parmesan, la sauce tomate, la pizza, les champignons, le bouillon d'algues, etc., etc. Et pourquoi je vous parle de l'umami ? Bah, tout simplement parce que quand on est sur une bière torréfiée, hein, on va avoir, grillée et torréfiée, on va avoir cette fameuse saveur umami qui va nous intéresser avec les légumes, fortement. Hein. Alors, un exemple d'association, par exemple, des épinards avec du parmesan. On part du point d'ancrage umami, qui est celui de la bière, une Scotch Ale, par exemple, hein, une bière type Scotch Ale ou Barley Wine ou quadruple, voilà, ou quadruple, hein, peuvent avoir cette saveur umami et on va donc partir sur quelque chose où on va retrouver cette saveur umami, comme par exemple le parmesan, qu'on va utiliser énormément dans les salades. Hein, une salade César, par exemple, ça va aller très bien aussi, bien sûr avec une pils houblonnée, mais aussi avec une bière dans laquelle il y aura cette saveur umami, donc une bière, comme je viens de citer, donc ça peut être une double belge pour ne pas boire une bière trop forte au repas, hein, une double belge. Ça, c'est un autre exemple. Alors, on va peut-être attendre 2 minutes que tout le monde soit servi pour pouvoir commenter cet accord. En plus, la mayonnaise, il y a un côté moutardé, donc ça va être, ça peut même appeler d'autres bières que celle-ci, bien sûr. Hein. Alors, on va peut-être parler quand même un tout petit peu de cette brasserie, parce que avant de parler de la bière, on va la goûter. Hein. Mais je vais vous parler un petit peu de la brasserie de la Seine. Vous connaissez cette brasserie ou pas ? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est deux jeunes brasseurs belges à Bruxelles qui ont en fait créé cette brasserie il y a maintenant quelques années et qui ont comme objectif de faire des bières, comme dit le brasseur, faciles à boire, digestes, avec des goûts très très variés, mais surtout une énorme facilité à boire. On est vraiment sur des bières très complexes avec une facilité à boire démentielle. Donc c'est rarissime. J'ai choisi cette bière-là parce que j'ai vraiment une admiration sans borne pour ce brasseur. Et donc la Taras Bulba, c'est la ale. On expliquera un petit peu le jeu de mots après parce que s'il y a des Belges dans la salle, ils vont pouvoir m'aider, n'est-ce pas ? Parce que c'est l'humour belge sur l'étiquette. Donc, au niveau de l'odeur déjà, au niveau des arômes, pardon. Je ne peux pas vous accompagner, mais ça vient. Je vous en prends une petite. On sent tout de suite le côté foin, le côté céréal et le côté herbacé. Hein. Donc, on sent tout de suite au nez. Ça va, vous m'entendez ? On sent tout de suite au nez le côté, le mix entre les céréales et les houblons. On a vraiment des parfums houblonnés très présents. Hein. C'est très frais. C'est ce style de bière-là et ce type de profil de bière-là qui va aller magnifiquement bien sûr, avec les produits de printemps, les légumes de printemps. Sur les petits légumes verts, primeurs, les pois gourmands, les petits pois, comment on peut associer justement, quel type de bière vous voyez sur le verre ? Quel verre on met sur le verre ? Alors sur tout ce qui va être vert, pour la première piste, c'est d'associer des bières qui ont une amertume verte. Hein.
Mais comme la plupart de ces légumes ont justement un petit côté, une texture, on va dire, hein, quelque chose qui peut être soit farineux, soit plus croustillant, plus consistant en tout cas, on va aller sur des bières qui ont un peu plus de matière également, et donc des bières à dominante quand même maltée. Donc on a les deux directions. Hein. Donc il faut à la fois un houblon qui tire plus sur le végétal, sur le côté herbacé, c'est ça ? Quel type de houblon, par exemple ? Alors, des houblons, par exemple, d'Alsace, hein, des houblons essentiellement français qui vont être parfaits avec ces petits légumes, et des houblons qui vont apporter une amertume pas trop fritée, une amertume plutôt, comme j'appelle souvent, verte. Hein, donc, une amertume fraîche et verte, comme celle-ci, en fait. S'il fallait citer une bière, là, parmi... Il y a beaucoup de choix aujourd'hui, mais là, comme ça, là, aux dévotés. Vous voyez quelle... Ça va me revenir dans... Bon. Est-ce que vous avez goûté déjà l'accord ? Qu'est-ce que ça donne ? Allez-y. Hein. Alors, la bière, vous avez senti... Alors, juste deux mots sur la bière. Elle est sèche, hein, c'est sec, hein, et c'est amer, mais pas... C'est tempéré par la céréale. C'est tempéré par les céréales qui sont bien présentes. Hein. Donc on a ce côté très vert, très floral aussi, mais qui est tempéré par la base de céréales. Et donc avec la mayonnaise et l'asperge, on va goûter. Allons-y. Vous avez l'air convaincu, monsieur. Une fois qu'on a fait l'accord avec l'asperge et la bière, on a du mal à savoir si l'amertume vient vraiment de la bière ou de l'asperge. Les deux se jumellent parfaitement. Et du coup, ça donne une... Bon, en plus, avec la mayonnaise, c'est parfait, parce que ça donne un petit côté rond à la fin qui est superbe. C'est intéressant parce qu'on a vraiment de la douceur à la fin. On a presque... On a de la rondeur aussi, d'un côté un peu gourmand. Et les deux restent en même temps présents aussi. Hein, on a quand même le goût de l'asperge qui reste. Et vous avez goûté avec la mayonnaise, à quel point ça va bien. Donc c'est le genre de bière que vous pouvez mettre aussi dès qu'il y a un plat avec de la mayonnaise. Hein, ou mayonnaise qui peut être pas forcément à base de moutarde et d'œufs, mais qui peut être aussi à base d'autres produits, comme par exemple du tofu, par exemple. Hein, bien sûr, on peut faire de très belles mayonnaises avec du tofu. Hein, on va retrouver la même... association avec ce type de bière. Céleri rémoulade, par exemple, est-ce que ça fonctionnerait aussi ? Oui, alors les omelettes font partie des produits également bons amis des bières, qui sont également difficiles à marier avec les vins. Hein ? Donc tout ce qui est à base d'œufs. Donc les omelettes vont faire partie effectivement des produits, encore une fois dépendamment de ce qu'il y a dans l'omelette, hein, bien sûr, s'il y a des tonnes de fromage et des tonnes de jambon, bien sûr, on va aller avec une bière amère. Mais si ce sont des omelettes, par exemple, avec des champignons, avec une omelette d'oignons, etc., bon, une omelette de légumes aussi, on va aller plutôt sur des bières, là, pour le coup, avec des registres caramel, des registres umami. Hein, on retombe sur cette nécessaire association. Hein. Donc, surtout sur les associations... Il y a deux grandes façons de faire. Il y a trouver le point d'ancrage, d'équilibre, point commun entre le produit et la bière. Comme là, on est complètement dessus. Hein. Vous avez tous ressenti l'amertume de l'asperge qui relie complètement l'amertume de la bière. Et on a, deuxième possibilité, l'opposition, ou en tout cas la complémentarité. Donc là, on a des possibles totalement infinis, parce que les complémentarités, en fonction des aromatiques et en fonction des saveurs, sont infinies quasiment. Enfin, pas infinies complètement, mais en produit, c'est infini. Je crois qu'on avait une question. Vous aviez une question ? Bonjour. J'ai une question, en fait. Lorsqu'on déguste justement... Pardon, excusez-moi. Lorsqu'on déguste un mets avec une bière, on doit commencer par quoi ? Par la bière et ensuite le mets, ou inversement, parce qu'il y a la préparation en bouche quand même qu'on doit avoir. Et c'est vrai que c'est un peu perturbant de savoir par quoi commencer. Merci. Alors,
En termes de dégustation, je suis militante pour toujours commencer par la bière. La question, c'est par quoi on commence, hein, la bière ou le produit. Et alors qu'à table, on va avoir plutôt tendance, à table, peut-être de goûter le plat. Donc j'ai envie quand même toujours de privilégier la bière pour prendre connaissance avec la bière. Parce qu'une fois que vous avez goûté le plat ou le fromage ou le dessert, vous allez avoir vos papilles qui ont goûté bien sûr le plat, mais qui vont être moins réceptives pour la bière. Donc la bière va s'en trouver un tout petit peu en mode mineur, on va dire. Donc je préfère toujours conseiller d'abord de goûter la bière et d'associer tout de suite le produit et le plat. Après, quand on va faire dans l'autre sens, on s'aperçoit que ça procure des sensations différentes. Hein. La plupart du temps, c'est très différent. Donc du coup, il faut prendre une direction, et moi la direction que j'ai prise, c'est de commencer par la bière. Voilà. Donc quand on compose un menu, on peut donc avoir en tête quelques bières qu'on a envie de servir et les mets viennent ensuite, voilà, en tête. Oui, l'idée c'est de construire un menu de légumes avec ou d'autres produits, mais là on est sur les légumes, à partir des bières qu'on a et à partir des envies de bières qu'on a. Donc en allant toujours sur une espèce de vague montante, bien sûr, on ne va pas forcément commencer par la douceur jusqu'à la puissance, on va jouer plutôt sur les registres dont je parlais. On peut très bien, en apéritif, voilà, vous avez pris l'apéro là. Vous avez pris un apéritif qui vous met en appétit. Hein. Ensuite, on va aller, par exemple, on peut très bien aller sur des légumes, par exemple, un bol de légumineuses, par exemple. Bol de légumineuses où il va y avoir énormément de tonalités, de saveurs, de goûts, etc. Avec en plus les épices et les graines, bon, on va avoir quelque chose de très, très riche. Hein. Donc là, l'idée, c'est pas d'aller chercher une bière qui va essayer de s'ancrer avec une des légumineuses, c'est d'avoir une bière qui va essayer de s'accorder avec l'ensemble des légumineuses et l'ensemble des produits, pour peu qu'il y ait aussi des oignons dessus. Donc la grande, je dirais, le conseil que je peux vous donner sur ce type de produit, vous voyez de ce dont je parle, hein, les bols de légumineuses, on a, avec des saveurs qui peuvent être très épicées aussi, on a deux directions. La première, c'est d'aller sur une bière avec de l'amertume, mais aussi une base de malt grillé, qui va s'accorder avec la majorité des légumineuses, les fèves, les lentilles, les pois chiches, etc. Donc, je pense à une bitter, par exemple, une bière qui va être facile à boire et qui va apporter de la fraîcheur au plat. Et la deuxième recommandation, c'est d'aller sur les bières aigres douces. Les bières aigres douces, dès lors qu'il y a des légumineuses, et on va le tester, dès lors qu'il y a des oignons, dès lors qu'il y a des, vous voyez, des radis, des choses comme ça, tout ce qui va être un peu piquant, il faut aller sur l'aigre doux. L'aigre doux, c'est bon, rouge des Flandres, par exemple, hein, pour faire une évocation de style. L'aigre doux va vous donner un support à toute cette variété et un support assez vif, assez net. Hein. Voilà. D'un côté, l'amertume et de l'autre côté, l'aigre doux, l'acidité. C'est une façon aussi de condimenter en fait ce plat par la bière. Oui, tout à fait. Et de le vivifier aussi, parce que les légumes, c'est cuisiné, c'est apprêté, mais il faut toujours penser à leur donner un petit côté de peps aussi, parce que ça... Enfin, moi, je les vois comme ça. Même les légumes qui sont cuisinés, comme les tians, les tartes aux légumes, on a parlé des omelettes aux légumes, tout ce qui va être légumes cuisinés, du coup, vont être associés de façon privilégiée à des bières qui sont plus simples, on va dire, en profil. Hein. On ne va pas aller chercher des bières complexes. Et sur les produits, les légumes racineux, alors on a le chou-rave, on a le navet, on a en ce moment la betterave. Hein. Et la betterave, c'est un produit pareil, avec la bière, c'est magique, c'est absolument magique. Déjà en tant que produit à cuisiner, mais en plus à associer. Et là, le côté terreux, le côté sucré également, hein, va être un bonheur absolu avec une bière acide. Alors, l'accord que je vous propose, c'est une bière franc-comtoise, qui est une bière, une sour, donc au jus de framboise,
Donc c'est un jus de framboise du Jura qui va être ajouté en fin de fermentation à la bière. Et l'acidité est apportée par un traitement avec des bactéries lactiques. Donc c'est une sour comme on en fait beaucoup et que vous allez trouver beaucoup sur les salons. J'ai choisi celle-ci parce que justement elle a cette acidité qui va se rapprocher légèrement, je dis bien légèrement, d'une rouge des Flandres, très légèrement. Et l'association que je vous propose, c'est un houmous aux betteraves. Merci. Un houmous aux betteraves, donc pour pas, c'était un petit peu compliqué de vous proposer de la betterave travaillée en termes logistiques. Mais le houmous va être également intéressant, vous allez voir. Donc cette bière, elle s'appelle, c'est la collection BM Signature de la brasserie Rouget de Lille, qui est également sur le salon, et qui va être... qui va proposer toute une offre de bières élevées en barrique. Donc au nez, vous avez tout de suite ce petit côté piquant qui va vous annoncer de l'acidité, mais vous allez constater que le fruit est bien présent également. Alors j'ai associé le fruit rouge et la betterave parce qu'en cuisine, c'est une base absolue, hein, la mousse de betterave avec les canneberges, avec les choux rouges et les fruits rouges sont vraiment des associations naturelles. Et là, l'idée, c'est d'associer justement l'acidité de la framboise dans une bière acide avec la betterave. Des réactions parmi vous? Alors, est-ce que ça fonctionne bien? Qui veut en parler? Qui se lance? Du coup, j'ai essayé dans les deux sens. D'abord la bière et ensuite le houmous. Et c'est vrai qu'au final, pour le coup, ça se retrouve assez bien dans les deux cas, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. C'est qu'on a l'impression d'avoir en fait une bière aux fruits rouges vraiment ronde et l'acidité disparaît un peu avec la betterave. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est vraiment agréable parce que même personnellement, j'aime pas la betterave et pourtant, ça lui apporte justement le côté peps en plus qui est superbe. Alors, ça marche aussi avec une mousse de betterave, hein, bien sûr, avec la betterave préparée sous différentes formes. Et merci pour ce partage de sensations. Comment vous trouvez? Est-ce que ça vous interpelle? Parce que, comme vous avez pu constater, la première association est plutôt pas classique, parce que bon, on ne peut pas dire que ce soit classique encore, mais asperge et bière amère, c'est vraiment un pilier absolu. Et la deuxième vous emmène sur des terrains un petit peu plus, on va dire, inhabituels. Hein. La betterave fait partie, au même titre que les aubergines, par exemple, hein, font partie de ces légumes qui ont un goût particulier et qui vont être absolument à l'aise avec des sours, avec des bières acidulées, mais avec toujours ce petit côté fruit rouge. Donc c'est pour ça que les aigres douces sont magiques avec. Mais avec des bières sours, tout simplement, même aussi avec des bières sur l'acidité lactique aussi. On n'a pas parlé des choux. Les choux, c'est une famille importante avec des goûts aussi très typés. Oui, oui. Alors merci de me rappeler ça parce que la grande famille des produits qui vont bien avec la bière, dans les légumes, il y a les choux. Hein. Alors les choux sous toutes les formes. Alors j'ai une affection particulière pour le chou rouge. Vous l'avez deviné, j'en ai parlé. Hein. Le chou rouge mariné, le chou rouge braisé, le chou rouge sous toutes les formes. Et bien sûr le chou-fleur. Et le chou-fleur, qu'il soit cru ou cuisiné, dépendamment de comment il est ensuite préparé,
va être à l'aise avec des bières, comme je l'ai expliqué, hein, dépendamment du style de cuisson. Mais juste vous râpez un petit peu de chou-fleur sur une salade avec du parmesan. Alors, avec quelle bière vous verriez ça, du coup? Je vous pose la question, maintenant je vous ai donné un petit peu le mode d'emploi. Avec du chou-fleur. Parce que le chou comme la première. Cuit à la vapeur, le chou, Oui, alors il peut être soit cru, quand je dis râpé, il sera cru du coup, ou bien vapeur, bien sûr, aussi. Oui. Quand il est cuit, c'est plutôt sucré, le chou. Le chou-fleur, c'est un peu sucré. Oui, oui, oui. Donc, du coup, une bière aigre-douce, ou alors une. Justement, je ne sais pas trop encore. Mais une aigre-douce, peut-être une bière aigre-douce. Ah oui, 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 tout à fait. On retombe sur les bières acidulées aussi. D'accord. C'est une grande famille, l'acidité, les bières acidulées aigre-douces. C'est vraiment très vaste en style, hein, bien sûr. Hein. On a aussi les brunes des Flandres, une brune des Flandres avec du chou-fleur. Alors après, dépendamment de la préparation, si on va sur les chou-fleurs juste en salade, on va quand même privilégier peut-être un petit peu plus, comme il y aura de la vinaigrette, il y aura de l'huile d'olive, on va peut-être privilégier une aigre douce, vraiment une bière acidulée, même type Weizen, hein, type bière de blé blanche. D'accord ? Et j'en profite pour dire que la vinaigrette, vous la faites aussi avec la bière, évidemment. Hein, on n'a pas parlé de la bière en cuisine, mais tout ce qui va être de nature à combiner les légumes, vinaigrette, sauce, etc., peuvent être bien sûr utilisées des bières qui vont être judicieuses pour ça. Donc cette bière que vous avez goûtée là, je vais vous demander ce que vous en pensez, parce que c'est la première fois que vous la goûtez, j'imagine. Cette bière là, elle est impeccable en vinaigrette, hein, impeccable. Et on la substitue tout simplement au vinaigre, ou on fait un temps pour temps vinaigre bière? Non, que la bière. Ça va donner un côté beaucoup plus doux, en fait, totalement différent, en fait. On a vraiment des registres de vinaigrette complètement différents. Avec une huile plutôt neutre, j'imagine, peut-être pas d'huile d'olive sur cette bière-là. Tout à fait. Alors, vous pouvez utiliser plusieurs types de bières aussi pour les vinaigrettes, les Weizen, hein, donc les bières de blé blanche aussi, fonctionnent très, très bien. Et puis aussi, quand vous voulez aller sur... par exemple, un concombre, vous savez, la salade de concombre toute simple, juste de l'huile d'olive, vous faites une vinaigrette avec une Weizen. Mais si vous associez des agrumes avec votre concombre, parce qu'on est sûr de la complémentarité, vous allez utiliser une IPA pour votre vinaigrette. Vous allez voir, alors en mollo, de façon pas trop importante, mais vous allez voir la tonalité de la salade de concombre. Ça n'a plus rien à voir. C'est pareil pour l'avocat et le pamplemousse. C'est pareil. On n'a pas trop parlé des légumes cuisinés un peu à la méditerranéenne, les petits farcis, le thion, la pizza même. Alors, qu'est-ce qu'on boit sur une pizza? Alors, dépendamment de la pizza, si par exemple elle est épicée, hein, avec des légumes épicés, tout ce qui va être artichaut, on retombe sur les bons amis des bières. Hein, alors, asperges, artichauts, tout ce dont j'ai cité, tout ce dont j'ai parlé jusqu'à maintenant. Le poivron aussi, qui est assez fort dans cette cuisine. Le poivron, ce sont des légumes qui sont difficiles, compliqués avec le vin, hein, compliqués. Donc on a là, on va considérer par exemple que c'est une cuisine épicée, c'est une cuisine relevée, on va dire. Hein, donc les tians ou les pizzas méditerranéennes, ou les gratins ou les ratatouilles. Hein, donc le mix tomate, poivron et... vous imaginez ça, évidemment, vous êtes en plein dans l'umami, en plein dedans. Hein. Donc, équilibre, vous allez chercher une double belge ou une brune, tout simplement, ou une ambrée qui va vous apporter ce côté umami, hein, qui va enrober la ratatouille et qui va soutenir la ratatouille. Et puis, vous pouvez aller contraster complètement, du coup, avec pareil, alors, je me répète un petit peu, mais l'acidité... l'acidité acétique et l'acidité lactique avec ce type de légumes, ça va vraiment très très bien. Est-ce que vous avez des questions? On va se garder un petit peu de temps quand même pour que vous puissiez interroger Elisabeth. Moi, c'est une petite question sur les accords avec les légumes. Parce qu'on peut faire des accords qui vont pour ajouter de l'équilibre, et des accords en opposition. Je sais que ça va pas être le cas pour tous les légumes, mais la plupart des légumes sont forcément un peu moins forts que la plupart des plats qu'on peut manger, viande, poisson, ce genre de choses.
Est-ce qu'on n'a pas justement plus souvent intérêt à faire un accord d'équilibre que d'opposition? Après, il y a l'acidité en particulier pour l'opposition, mais sinon on risque un peu de trop masquer le légume. Dans pas mal oui, d'accords d'opposition. C'est une super bonne, intéressante remarque, parce que du coup, là, on va privilégier donc, l'accompagnement des légumes. Donc, c'est un peu au détriment des légumes. C'est tout à fait exact. Tout à fait. Et avec la pomme de terre. Et avec la pomme de terre. Avec la pomme de terre. La pomme de terre, donc. Les frites ? Qu'est-ce qu'on boit avec des frites ? Qu'est-ce qu'on boit avec des pommes de terre sautées ? Avec la purée ? Alors, c'est la même attitude à avoir, c'est dépendamment de la façon dont la pomme de terre est cuisinée. Donc les frites, on est dans le frit, hein ? On est dans le gras. C'est pas léger, hein, des frites, on est d'accord ? Donc, vous allez avoir tout de suite besoin de contrebalancer quand même les frites, toujours avec un peu d'amertume. Donc, cette bière-là, par exemple, ou même des bières donc avec un petit peu d'amertume, pas forcément blonde comme celle-ci, mais ça peut être des bières avec un petit peu d'amertume, avec du grillé, puisque les frites sont quelquefois quand même accompagnées avec... je pense plutôt à la frite mayonnaise avec cette bière-là. Là, c'est la frite mayo, là. Hein? Ça, c'est ça. Et puis la frite avec le morceau de viande ou le poisson. Le fish and chips, c'est cette bière-là aussi. D'accord ? Mais les frites avec l'entrecôte, c'est clair que vous n'allez pas aller sur cette bière-là. Vous allez aller sur de l'amertume grillée, hein, comme une bitter ou une pale ale. Stout et porter, vous dites monsieur. Oui, bien sûr. Alors, évidemment, tout ce qui va être torréfié, du coup, va être également intéressant avec les pommes de terre sautées, rôties, bien sûr. Un gratin dauphinois, par exemple, quelque chose qui est assez rond, assez moelleux. Très logiquement, avec des bières type double belge ou des bières, des Weizen, des Imperial Weizen, des double Weizen, des choses comme ça, qui sont basées sur l'acidité, hein, mais également, bien sûr, la puissance quand même. Hein. Il faut un peu de puissance. Et puis, bien sûr, de l'amertume. C'est la difficulté à chaque plat. Chaque plat va être avec une dominante soit d'huile, de crème ou d'herbe ou d'épices. Et donc, dépendamment de ce qui va dominer dans le plat, vous allez jouer avec des profils de bières différents. Est-ce que la texture, ça va changer au niveau de la dégustation entre la bière ? Vous parlez de la texture de la bière ? Non, la texture de l'aliment. De l'aliment, par exemple, oui. Pour moi, une purée, enfin, comme on a mangé tout à l'heure, où il y avait la mayonnaise ou la petite purée de betterave, pour moi, ça se collait au palais, ça restait plus en bouche. Et donc, on avait plus la sensation du mélange de la bière et de l'aliment qu'un aliment qu'on va avaler et après, on va boire la bière qui va plus rincer la bouche. Moins avoir le mélange des deux. Alors c'est vrai qu'on n'aura pas du tout les mêmes sensations, bien sûr, hein, si ce sont des textures type purée ou mousse, etc. Ce qui va être intéressant dans ces cas-là, par rapport à des croustillants, par exemple, ou à des légumes plus croquants, on va dire, peut-être, hein, on va opposer le croquant, hein, on va être plutôt sur l'envie d'avoir quelque chose qui va vivifier, hein, qui va donner du tonus, qui va donner de la vivacité, hein, au plat. Donc on va jouer toujours sur des bières vives, faciles à boire, avec toujours cette petite touche d'amertume qu'on aura beaucoup moins sur le croquant, des légumes croquants, grillés, croquants ou juste cuits de façon à être croquants, vont avoir peut-être plus de facilité à être mariés avec des bières avec des textures plus onctueuses, plus veloutées. Là, on joue complètement, enfin à mon sens, en texture, l'opposition. Une dernière question, peut-être ? Oui. Est-ce que vous pouvez rappeler le nom de la bière qu'on a dégustée en premier, la Boulba ? Oui, alors la Taras Boulba. La Taras Boulba de la brasserie de la Seine, c'est en fait leur ale blonde houblonnée. Hein.
Et la petite histoire de cette étiquette où on voit un gros méchant Taras Bulba qui fait référence à voilà fort comme un Turc qui est en train d'injurier donc bien sûr celui qui est censé être son fils en référence au roman de Gogol hein, où Taras Bulba a tué ses fils parce qu'ils étaient passés à l'ennemi à l'époque. Là, on est sur censément être un flamand parce que c'est un flamand, hein, Zur, parce qu'il parle flamand. Bruxellois. Voilà, et ça se prononce comment ? Smeerlap. Smeerlap, donc, et ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne tient pas la route, quoi. Il ne sait pas boire. Et parce qu'en fait, en plus, il aurait épousé une Wallonne, hein, c'est ça ? Je ne connais pas toute l'histoire, mais il y a un petit texte à côté. Voilà, le petit texte dit qu'en fait, son fils, il n'est pas content, il va tuer son fils parce qu'il a épousé le fils, il a épousé une Wallonne. Donc, c'est de l'humour belge. Hein. Transposer l'histoire de Taras Bulba à Bruxelles. Il est vraiment en train de l'insulter, là. Voilà. Donc, c'est une brasserie qui joue beaucoup l'humour dans ses étiquettes. Mais au-delà de l'étiquette et au-delà de l'histoire du nom de cette bière, Taras Bulba, c'est en fait une bière d'une finesse que vous avez appréciée, je pense. Et je ne sais pas si c'est parce qu'on a bien équilibré, très, très bien équilibré. Et qu'est-ce que vous en pensez de la sour framboise ? Je crois qu'elle a bien moins, plu aussi. Moins habituelle hein, comme goût, mais vous avez l'air d'avoir aimé aussi. Très acide, mais assez courte. Hein. Et vous avez aimé l'accord ou pas ? Alors, juste avant de terminer, moi, j'avais envie de savoir qu'est-ce qui vous a fait venir ici ? Vous êtes dans la bière ou vous êtes... D'accord. Brasseur à quel endroit ? Ok, d'accord. Une toute dernière question, parce qu'on va libérer la salle. Je te pose la question à toi, mais vu qu'il y a pas mal de restaurateurs, apparemment, ça peut être intéressant. C'est pour savoir, en fait, si un des problèmes qu'il pourrait y avoir sur l'acceptation de la bière dans les restaurants, pour les accords, est-ce que ça ne vient pas aussi justement un peu du problème de rentabilité possible sur le prix d'une bière ? Ça, c'est une question que je vais traiter demain. Ça, c'est moi qui vais répondre. C'est surtout une question, c'est une idée reçue, parce que juste début de réponse, les restaurateurs font une plus grande marge, bien sûr, sur la bière artisanale que sur le vin, par rapport au prix qu'ils achètent le vin. Voilà, on va se quitter sur cette dernière question. Merci. Merci, Elisabeth. Donc, je rappelle vos ouvrages, la revue Bière Aimée, voilà, pour poursuivre encore un peu plus cette thématique des accords bière et légumes. Merci beaucoup d'être venu. Moi je m'étais mis à la quatrième table, je pense que le cinquième, sixième, on va...